Bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, eh bien, tirage open mind, donc toujours pareil, hein. Ne regardez pas si cette vidéo peut vous choquer, hein. Et moi, je voudrais revenir sur Delphine, la pauvre Delphine Jubilard. Son mari a été mis en prison, hein. Il est inculpé d'homicide volontaire. Il va y avoir un procès, etc. Bon, moi, dans le premier tirage, pardon, eh bien, j'avais quand même senti qu'il y avait quelque chose de possible à ce niveau-là. Je pense qu'il est coupable, hein, bon, je vous le dis, hein. Après, bah, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous avez tout à fait le droit. Mais je vais partir de l'hypothèse qu'il est coupable. Et donc, je vais demander à mon intuition, en me concentrant sur Cédric Jubilard, déjà, s'il sait où se trouve Delphine. Donc, s'il est coupable, bah, c'est qu'il a, il a assassiné, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, on va voir s'il sait où se trouve Delphine. Alors, j'ai la clé, la résolution et la maladie. Résolution et maladie, ok. Alors, une clé qui peut être comment dire, en lien avec des histoires de maladie. Bon. Alors, ici, est-ce que Cédric sait où se trouve Delphine? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle se trouve? Alors, j'ai des histoires de pierre ou de maison ici. J'ai quelque chose qui peut être dans la terre. J'ai quelque chose qui a réussi et j'ai une épreuve traversée. Bon. Alors déjà, a priori, le jeu me dirait qu'il y a les questions d'épreuves traversées, donc il y a quand même des chances que ce soit lui, hein, puisque là, il y a un exaucement. Hein. Donc c'est un souhait qui s'est réalisé ici. Là, on me parle vraiment de quelque chose, alors sous terre, dans le sol, on va dire, et plutôt, alors je ne pense pas que ce soit la carte des biens ou du patrimoine, moi je vois plutôt une maison. Bon. Donc, est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle, où est-ce que Delphine se trouve? Alors, des questions d'association ici. Il y a bien, il y a la violence quand même qui ressort, hein. Agression, hein. Là, je suis en train de repartir sur ce qui s'est passé. L'été, ah, il y a l'été qui sort, et j'ai l'ennemi. Donc quand j'ai quand même deux cartes comme ça, qui sortent, hein, la fourche et l'ennemi, c'est qu'il y a eu bien des violences. Hein. Ben là, je suis en train de repartir en arrière. Bon, ça peut arriver. Hein. Donc pour moi, il y a bien eu agression. Hein. Là, je vous rappelle que je suis quand même centrée sur Cédric, hein, donc sur le mari. Hein. Donc violence et ennemi, c'est que... oui, il y a bien eu quelque chose de dramatique qui s'est passé. Hein. Bon, on va pas revenir là-dessus. Alors, par contre, association et solidarité. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai ici quelque chose et j'ai l'été qui ressort. Hein. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles, encore d'autres nouvelles sur l'été. Ici, on va regarder. Ah, pour moi, déjà, elle a été transportée ailleurs. Alors, le fagot, ça me fait penser à quelque chose qu'on porte sur le dos, moi. Je sais bien que c'est la carte de l'association, mais pour moi, quand je vois le fagot, j'ai l'image, vous savez, de quelqu'un qui porte quelque chose sur le dos. Hein. Donc, c'est plutôt ça, moi, j'ai l'impression. Et pour moi, elle a été mise ailleurs, oui. Bon, elle est pas, pour moi, elle n'est pas dans la maison ou sous la maison, je pense pas. Elle a été transportée ailleurs. Alors, l'été. Alors, opportunité sur l'été. Je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose sur l'été. Là, on y est, hein. Et une solitude, alors une grotte. Ça peut être le lieu où elle se trouve. Alors, je vais quand même la terre et la grotte. Est-ce que ça peut être les deux ensemble? Une grotte, une ouverture dans le sol. Parce que j'ai aussi l'ouverture. Moi, ça fait penser aux mines. Vous savez, les mineurs qui travaillaient sous la terre.
Donc là, on a la terre et le travail. Donc travail ou terre, grotte, donc trou dans la terre, en relation éventuellement avec... ouais, il y a une ouverture. Ça fait penser aux mines, je ne sais pas pourquoi. Aux mines, ouais. Puisque c'est quand même un endroit où il y a eu les mineurs dans le temps, on va dire. J'ai quand même la grotte, hein. Moi, je me demande, hein. Je me demande, hein. Ouais. Alors, il y a eu un choix à faire à ce niveau-là. Et j'ai la mer, ouais. Donc là, c'est Delphine, hein, par rapport... oui, donc là, on revient un petit peu sur éventuellement la décision qu'a pris Cédric. Hein. Encore une fois, moi, je pars du principe qu'il est coupable, ici. Et... alors, est-ce qu'on va la retrouver? Parce que pour moi, je pense qu'elle est dans le sol. J'ai l'impression quand même. Hein. Elle est dans le sol. Ouais, une ouverture dans le sol. Donc oui, bon. Donc on va laisser ça. Est-ce qu'elle va être retrouvée? Alors, j'ai quand même le bonheur et la liberté. Donc j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Alors quand? On va voir si on peut avoir... quoique j'ai l'été qui est sorti, mais bon, on va voir. Alors là, j'ai la sagesse ou la chapelle. Quand la chapelle, à quoi ça fait penser? Il y a le 15 août, hein, il y a la fête de Marie. Alors, ce serait dans un mois, peut-être. Ouais, je sais pas, je vous dis ce qui me vient en tête. Hein. Le 8, entre août et septembre, 15 août, ouais, le milieu... on va poser une autre question. Est-ce que le mari va dire, pardon, est-ce que le mari va dire où est-ce qu'elle se trouve? Alors, est-ce que Cédric va parler? Alors, foyer, habitat. Ça ne me dit pas s'il va parler, ça. On va reprendre les cartes. Pour l'instant, je sais qu'il est en prison, normalement. Alors, est-ce qu'il va parler? J'ai le vol, perte. Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'il va parler. Hein, parce que ce serait à son détriment, quand même, hein. Ouais, il est dans l'attente. Donc, il dira rien, à mon avis. Ou alors, ces deux cartes-là ensemble, c'est que il a peur de perdre la maison. Je ne sais pas, il y a quelque chose, là. Alors, vraiment, cette maison, elle ressort quand même. Moi, j'ai l'impression que il y avait vraiment les questions de biens qui ressort. Hein. Les questions d'argent, les questions de biens, biens immobiliers, oui. Je ne sais pas pourquoi il est attaché à cette maison. Bon, pour moi, il est dans l'attente. Hein. Donc, il attend, donc il ne bouge pas, quoi. On va remettre une carte. Est-ce que Cédric va parler? Allez, celle-là. Le voyage et le départ. Ben, pas vraiment. Hein. Non. Il attend plutôt de... éventuellement de sortir, quoi. La mouette qui prend son envol. Hein. Il attend qu'on lui redonne sa liberté. Hein. Alors, confirmation qu'on va bien la retrouver. Je sais bien que j'ai la barque. Donc, la liberté. Mais je voudrais avoir quand même confirmation qu'on va la retrouver. J'ai bien une protection et la croix. Donc, ça peut montrer aussi que, quelque part, la providence va s'en mêler. Hein. Et ça fait refait penser encore à la fête de Marie, hein, décidément. Alors, peut-être par rapport... j'ai pas le calendrier en tête, mais encore une fois, il y a l'Assomption. J'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Comme je suis en Allemagne, du coup, je ne sais plus trop... les fêtes religieuses en France, mais il y a le 15 août. Est-ce qu'il peut y avoir une autre fête religieuse après? Ben non, à part Noël. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose là. Mais il y a la Providence qui intervient. Pour moi, je pense qu'on va la retrouver quand même. Je pense qu'on va la retrouver, mais que ce sera pas parce que le mari aura parlé, quoi. Est-ce qu'on la retrouve parce que le mari va parler? On va voir. Allez, est-ce qu'on va en retrouver grâce aux indices du mari? Non. Vous voyez, il est sur la défense. Il observe. Donc non, il ne dira rien.
Puis la tour, c'est aussi quand on se protège, hein. C'est ouais. Donc non, il est sur la défensive, on peut dire aussi, mais qui dira rien. On va dire confirmation. Allez, confirmation, notre carte. Alors, médecin. Tiens, c'est bizarre parce qu'il y a la carte du médecin qui sort. Je me demande s'il ne va pas y avoir des histoires de soins en relation peut-être avec son état psychologique, enfin, ce genre de choses. Il y a peut-être la carte d'instabilité mentale ou je ne sais quoi qui peut sortir ici. Ouais, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que la défense va faire jouer cette carte-là aussi. Qu'il a besoin de soins, ce genre de choses. Mais bon, la défense, ma foi, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de preuves, bon, il n'y a rien, quoi. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il va parler, moi. Non. Les racines, il y a sa famille aussi. Alors, la famille va intervenir. De son côté à lui, hein. Je pense qu'il est pas mal protégé, cet homme-là. Hein. Est-ce qu'il va parler? Voilà, il y a le soutien de la famille, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il est soutenu par sa famille. Bon, ça, déjà, ça va l'aider. Hein. Et puis, il y a le médecin, éventuellement, qui peut intervenir. Moi, je ne le vois pas parler. Hein. Je pense que si on retrouve Delphine, ce ne sera pas parce qu'il parlera. Ce sera parce que les enquêteurs vont chercher, et que peut-être, ils auront un petit peu de chance dans leur recherche. Voilà, donc je pense qu'on va la retrouver. Et à mon avis, il y a des histoires de grottes ou de mines, où il y a par rapport à la terre, sous terre. Ouais, voilà ce que je peux vous dire. Bon, voilà pour ce tirage-là. Je voulais pas le faire trop long quand même. Et on va faire le deuxième dans la foulée.